tous, l'équipage de l'NS Riyad vous souhaite la bienvenue à bord. Donc nous allons partir pour une petite balade d'environ une heure à la rencontre des Volvis. Une largeur de 7,80 m, un tirant d'eau de 3,30 m et une surface de voilure de 628 m². C'est une goélette battant pavillon à bout. À unier, ce qui signifie qu'il comporte une ou plusieurs voiles carrées. Elle a été construite en 1920 à Kiel en Allemagne sous le nom de Gémeaux et était utilisée pour la pêche au hareng. Le navire est mis hors service à la fin du XXe siècle. Il a souvent changé de propriétaire avant d'être converti en schooner, un bateau à deux mâts inclinés en 2010. Et ce numéro est gravé, poinçonné un petit peu partout dans la coque du bateau pour éviter qu'il soit volé, qu'on puisse l'identifier facilement.
Et ce n'est qu'en 1926 que le voilier est lancé sous le nom d'Océanie. Entièrement restauré en 91-92, une porte en salle des vieux Clément, ce qui est totalement normal pour les tonnerres de Brest. Donc il y a des priorités de régulation de trafic maritime. Et donc les voitures sont en attente et passeront selon la direction de Brousse aux alentours de 18h face à nous ici.